Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La box du mois de la boutique Poussière d'Étoile, la boutique de Sabine. Je n'ai pas encore. Enfin, j'ai juste là. J'ai pas regardé dedans. Qu'est-ce qu'on va encore avoir comme merveille? Allez, on découvre ça ensemble. Bon, faites pas attention à ma tête. Hein. Allez, on va ouvrir. Alors, c'est la box broderie et papeterie de novembre. Donc, c'est sur le thème de Noël. On va avoir une fiche broderie casse-noisette. Un aimant à aiguille assorti au modèle à broder, un coupon de toile à broder de la marque Zegart quadrillé. Attention de ne pas laver pour garder les carreaux. Un aimant à aiguille pardon, supplémentaire, un trifil assorti au modèle, deux sticks de sucre acidulé mystère bonbon. Oh, ça nous rappelle l'enfance. Et en papeterie, on va avoir une planche de stickers, un grand stickers holographique. Tous les deux, ce sont des créations de poussière d'étoiles. Un masking tape de 10 mètres. Un kit de secours papeterie. Oh, c'est intriguant ça. Et encore un stick de sucre acidulé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer par la box papeterie. Voilà. Hop. Voilà. Désolée pour le bruit, hein. Voilà. Alors. On a d'abord nos petits sticks de sucre acidulé. Alors, on va avoir, oh qu'il est joli, un joli stickers holographique. Voilà, il brille de mille feux, il est très très beau. On va avoir, ah ça fait comme des petites étiquettes, c'est super, pour mettre sur nos cadeaux. Les petits stickers pour mettre, alors pour, on met le nom de la personne à qui vous offrez un cadeau et de la part de, ben, vous mettrez votre prénom, voilà. Et on a des petits stickers Joyeux Noël en plus. Très, très sympa. Ensuite, un petit marque-page très joli avec un petit cadeau de Noël dessus. Voilà, la neige, tout. Très très beau. Oh, ils sont jolis. Des stickers de sapin. Alors, tout rose. Très très joli. J'aime beaucoup. On va avoir, alors je vais l'ouvrir pour que je puisse mieux vous montrer. Hop. Bon, je cherche le bout. Ça y est, je l'ai trouvé. Voilà. C'est le masking tape. Alors, je n'arrive pas. Ah, voilà. Voilà le dessin du masking tape. Alors, des bonhommes pains d'épices, des sucres d'orge,
des petits sapins. Vraiment très très mignon. Voilà. Et le kit de secours de la papeterie. On va avoir, alors je pense que ça c'est une gomme, oui. On a une petite gomme de Noël. Voilà, le petit Père Noël, Merry Christmas. On a deux crayons. Alors, pareil, avec des petits Pères Noël. Voilà. Très sympa. Donc, ce sont des crayons gris. Et donc, on en a un deuxième. Et comme on a des crayons gris, on a le taille-crayon avec. Super. Très sympa. Allez, on va mettre tout ça sur le côté. Excusez-moi. Et bien sûr, j'ai oublié, on a toujours le petit message que vous pouvez... S'il y a un petit souci ou si vous avez des questions, vous avez la rubrique contact sur la boutique. Oh. Les petits bonbons, les petits sucres acidulés. On a des petits stickers. Alors, une jolie botte, voilà, avec des fleurs de Noël dedans. Et on a Papa Noël qui arrive, en train d'amener tous ses cadeaux. Super. Oui, dit beau. Oh. Oh. Trop sympa. Alors, l'aimant à aiguille supplémentaire. Le voici. Donc ça, c'est le bonhomme pain d'épices. Trop mignon. Il est vraiment trop choupinou. Sympa. Donc, on va avoir une toile. Donc, moi, c'est une étamine, hein, mais vous le pouvez l'avoir en Aïda. Hein. Voilà. Donc, c'est une toile quadrillée déjà, les icônes. Donc, c'est du 12,6 fils. Quand vous prenez de l'Aïda, alors l'Aïda, si je ne me trompe pas, c'est du 5,5 et du 7. Et l'étamine, donc, c'est du 12,6 fils. Et on va avoir, alors, je vous montre tout de suite la broderie. Donc c'est casse-noisette, il est en pardon, 90 points sur 200 points. Voilà. Et regardez-moi comment il est joli. Trop trop beau. Trop sympa. Ouais, non, il est chouette. Un petit casse-noisette. Trop sympa. Alors, il va nous falloir combien de couleurs? Une, deux, quarante-huit couleurs plus le blanc. Donc, 49 couleurs. Donc, vous avez la liste des couleurs derrière. Vous avez la liste également sur une feuille à l'intérieur avec les symboles en couleur. Vous avez la grille, bien sûr, couleur. Je vous montre au niveau de l'impression. C'est tip top. Hein.
Voilà, il n'y a pas de souci. Et on l'a également en noir et blanc. Donc, la liste couleur en noir et blanc. Et vous avez la grille, donc, pareil, en noir et blanc. Très, très bien imprimée, très claire. Voilà. Alors, quand vous achetez la box comme ça, si vous voulez avoir le PDF en plus, pas de souci. Vous passez par la rubrique contact de la boutique. Vous envoyez un message à Sabine pour lui demander qu'elle vous envoie le PDF. Comme ça, si vous... excusez-moi. Si vous voulez le mettre sur votre Pattern Keeper ou le Markup RXP pour iOS Apple, vous pourrez le mettre sur vos applications. Donc ça, le PDF est gratuit à condition que vous ayez acheté une box ou quand vous achetez une grille papier comme ça. Vous pouvez à chaque fois demander le PDF. Alors, on a bien sûr notre petit aimant associé à la broderie. Trop sympa, trop mignon et chouette. Un petit casse-noisette. Et on a bien sûr son trifile. Il est magnifique. Trop beau. Il a une belle boubouille de casse-noisette. Ouais, non, il est vraiment top. Donc, je vous rappelle, vous avez la grille. Vous avez son trifile. Vous avez son aimant. Vous avez la toile pour broder avec. Et vous avez un deuxième aimant, voilà, pour accompagner vos broderies. Je crois que je vous ai tout montré. Sabine nous a encore fait des merveilles, comme d'habitude. Hein. De toute façon, à chaque fois, que ce soit au niveau des broderies, j'aime toutes les broderies que Sabine sort. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce n'est pas parce que je vous les présente et que je veux brosser la manche. Hein, pas du tout. C'est vraiment mon ressenti. J'aime vraiment beaucoup. Bon, celui-là, je ne le broderai pas pour l'instant puisque bon, Noël est trop approchant. Donc, je pense que je le broderai pour l'année prochaine. Il n'y a pas de problème pour ça. Il va être très très bien l'année prochaine près de mon sapin. Je crois que je vous ai tout dit, oui. Donc, quand vous voulez les box de broderie, il faut aller sur la boutique, bien sûr. Et les box sont en vente du 1er du mois au 5 uniquement. Après, il est trop tard. Après, il n'y a plus de box. Par contre, vous pouvez presque à chaque fois, je pense qu'à chaque fois, Sabine sort la grille toute seule. Voilà. Que vous pouvez retrouver aux alentours du 20 du mois dans la rubrique des fiches. Voilà. Certaines des broderies ressortent, mais en kit. Celle-ci, je ne sais pas encore hein, si elle va sortir en kit. Si vous le voulez en kit, que vous n'avez pas acheté ici avec la box, surveillez aux alentours du 20. Il y aura la fiche, mais au niveau du kit, je ne sais pas. Alors, le kit, excusez-moi, hein, j'ai un chat, ça ne veut pas partir. Le kit, bah, vous aurez la grille, les fils, la toile. La toile, donc si c'est de l'AIDA, ce sera 5-5 ou du 7. Et l'étamine en kit, par contre, j'espère que je ne me trompe pas.
Sabine viendra me corriger dans les commentaires si je me suis trompée. C'est du 11 fils. Voilà. Là, je vous ai présenté les nouveautés il n'y a pas longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo et à aller découvrir les nouveautés qu'il y a sur la boutique. je pense que là, ouais, c'est bon. On a fait le tour. alors, je n'oubliais pas sur la boutique, donc vous retrouvez les fiches broderies, vous retrouvez des kits de broderie, donc avec les fils, tout ça. Vous retrouvez des packs de fils. Alors, les packs de fils, ça correspond, ils sont vendus pour une broderie. Si vous voulez, par exemple, je vais prendre l'exemple de celle-ci. Vous allez avoir celle-ci dans les fiches broderies. Et peut-être que vous allez retrouver le pack de fils, qui va correspondre à cette broderie. C'est-à-dire que dans le pack, il y aura toutes ces couleurs-là. Voilà, toutes les couleurs que vous aurez besoin pour faire la broderie. Donc, vous avez les packs de fils, vous avez des toiles également, vous avez des aimants. Et puis après, il y a le rayon papeterie où il y a plein de choses également. Vous avez également les pochettes surprises. Donc, c'est surprise. Hein. Donc, je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans. Il va y avoir également une pochette surprise de stickers holographiques. Il y a les pochettes, box ou pochette, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, les box anniversaire pour votre anniversaire. Voilà, n'hésitez, si vous ne connaissez pas la boutique, n'hésitez pas à aller voir. Et si jamais vous n'avez jamais commandé sur la boutique de Sabine, elle vous offre un code promo pour votre toute première commande. Et le code promo, c'est Didit. Voilà, en majuscule. Je vous le remets à l'écran. Ça vous donnera 10% sur votre commande, votre toute première commande. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, je vous remets des photos à la fin.